Et il y a très longtemps, au Moyen-Âge, il y avait le pâtre, le chef, celui qui avait la responsabilité du troupeau. Et les bergers, c'était des gosses qui se tenaient sur les berges des champs pour empêcher les brebis de passer en jetant des pierres, coups de bâton. Et c'est pour ça qu'on les appelait les bergers. Et ce mot de berger, finalement, a défini toute la profession. Ça fait 5 ans que je suis en Cerdagne parce que j'avais envie de venir en Cerdagne. C'est un pays qui me plaît, quoi. C'est le soleil, c'est la végétation, c'est le coin, c'est un endroit que j'aime. C'est très rare de trouver un plateau en pleine montagne comme ça. Ça vous convient en ville? Je suis berger parce que d'abord j'aime bien les chiens de berger, ça c'est évident, quoi. Le troupeau, la vie que j'ai avec les trois, quoi. La nature, le troupeau et les chiens. Je suis bien dans cette contradiction-là, c'est-à-dire que je suis un Parisien privilégié, je viens ici pour des démonstrations, donc pour montrer quelque chose que j'estime de beau au public. Et puis le plus sympa, c'est que je repars dans ma campagne après, quoi. Donc ça ne me gêne pas de venir en ville. À partir du moment où je sais qu'après, je vais retrouver mon troupeau, ma famille, mes montagnes. On n'a pas besoin de beaucoup de chiens pour travailler sur un troupeau. Il vaut mieux avoir un chien bien dressé que plusieurs chiens qui sont moins bien dressés. Et sur 400 brebis, un chien, ça suffit largement. Ce qu'il y a de bien, c'est d'avoir plusieurs pour qu'ils puissent se remplacer, pour ne pas les fatiguer. Cap, viens, gauche. On ne peut pas être en montagne sans troupeau, quoi. Et la montagne ne veut plus vivre sans troupeau. C'est-à-dire que là, si l'herbe n'est pas mangée, c'est les friches. Si l'herbe n'est pas mangée, c'est les incendies. Si l'herbe n'est pas mangée, il y aura de moins en moins de tourisme aussi, quoi. Puis là, le troupeau, il est complètement indispensable. On ne peut pas remplacer le troupeau, quoi. Si on ne manquait pas de voiture, pas trop de voiture, ça va bien. Ce qui m'intéresse, c'est la relation entre le chien et le troupeau. Stop. Depuis 15 ans, je fais chien troupeau. J'ai toujours pensé qu'un jour, je ferais ses lettres de noblesse, il est reconnu, quoi. Faut quand même pas oublier qu'il y a 15 ans, quand on faisait les concours, on était là, hein, on avait un copain. Hein. Et maintenant, on amène 10 000 personnes à un concours, quoi. Et là, Normatif, et les moutons vont traverser. Faire du spectacle, il y a deux raisons. Je crois que la première, c'est de montrer un moment que c'est bien d'être satisfait tout seul de ce que tu fais. Moi, j'aime beaucoup mes chiens. Mais l'important, peut-être un moment, c'est de le montrer aux autres. La deuxième, c'est aussi de dire, oui, il y a encore des bergers qui existent. Il y a des bergers qui ont des beaux troupeaux, qui ont des bons chiens, quoi. Et que c'est un métier, quoi. Que c'est pas comme ça, quoi. Que c'est pas... Il n'y en a pas que dans les films. Cap ! Hé ! Il est parti, là. Il sait pas où il va, là. Avance ! Avance ! J'aime beaucoup les bordeurs parce que d'abord c'est la Formule 1 du chien de berger, quoi, il n'y a pas mieux. Et ça je m'engage. C'est évident que c'est un chien qui est né pour travailler, qui a toutes les facultés pour bien travailler. Ce qu'il y a de différent par rapport au berger des Pyrénées ou au berger allemand ou au berger picard, c'est qu'il travaille avec le regard. Enfin, il ne travaille pas qu'avec le regard, mais il travaille avec le regard, c'est-à-dire qu'il n'aboie pas. Donc, c'est assez sympa, quoi. Moi j'aime bien les chiens qui n'aboient pas.
Et il a une grande puissance du regard, c'est-à-dire qu'on pourrait presque dire qu'il hypnotise les bêtes. C'est-à-dire qu'il contrôle les bêtes avec le regard. Et ça, c'est une grosse différence, c'est le seul chien qui fait ça, quoi. Si on pourrait le comparer un peu à un chien d'arrêt, quoi. Les autres atouts, si tu veux, c'est que c'est un chien qui est hyper rapide, c'est un chien qui s'adapte un peu par rapport à l'espace, qui est très félin, qui est très maniable, qui se débrouille très bien dans les rochers, qui est très doué, quoi. Ça, c'est l'autre atout, quoi. Et tu fais aussi bien bosser en plaine qu'en montagne, et tout. Et puis il me plaît, quoi, comme comportement, comme tout, quoi. Enfin, ouais, c'est un chien que j'adore. Mais ce qui n'empêche qu'il y a très très bonne haute souche de chien de berger, hein. Enfin, moi, j'ai choisi le Border. De toute façon, un chien, il fait partie de ta famille, il fait partie de ta vie. Enfin, surtout nous, hein, vu que c'est quand même un de mes outils de travail, vivant, mais enfin, c'est un outil de travail. Et il est complètement intégré dans une vie, quoi. Tu me vois rarement, là, bon, le cas maintenant, c'est différent. Mais avant, je me déplaçais toujours avec elle, maintenant, c'est avec K. Mais tu passes toujours avec moi, le chien. On a eu 7-8 mois à préparer Bercy. Bon, cette année, on était parti sur la transhumance. On y croit, on croit qu'on peut faire vibrer les gens avec ça. Travailler en montagne, faire passer un pont, il y aura tout ce qui va avec la transhumance, la tente. Oui, c'est complètement différent, beaucoup plus technique. Bien. Allez, cap. Gauche, droite. Lui, sur les lumières, elles sont. On a employé des gens pour nous faire des maquettes pour, pour la montagne. Les bergers, bien sûr. Et puis Bercy, qui nous a prêté la régie sans lumière depuis 15 jours à peu près. Là. Une fois que tout ça c'est fini, qu'on s'est envoyé deux fois l'eau pendant qu'il tombait, ouais, pour enlever la lumière. Je pense que deux fois chacun, je vais deux fois. Ça va, c'est que ça c'est fini. Après, il y a les agneaux qui arrivent, en même temps, on ouvre les portes. La tonte est finie. Mais nous, on se mettra. Non. On remonte le troupeau, on met trois chiens devant et t'as les agneaux qui arrivent. Avec des bruits de loup et tout, ouais. Gauche. Des souvenirs de moments forts, de moments durs, de moments très beaux. La montagne, tu triches pas, donc tu as toujours des souvenirs forts. Tu es seul avec toi déjà les trois quarts du temps, tu es en face des éléments, donc c'est vrai quand il y a la foule, quand il y a des orages, c'est assez dur. Et en même temps, c'est très très beau. Le truc dur, c'est quand tu as des attaques de chiens, c'est quand tu perds des brebis, c'est quand tu as un chien qui tombe, qui se blesse, quand tu te perds toi parce qu'il y a du brouillard, quand tu as peur parce que tout d'un coup il va neiger et que tu dois rentrer ton troupeau, c'est tout ça les choses dures, quoi, les moments durs. Quoi. Les moments durs, de toute façon, ils vont forcément être le temps. C'est-à-dire, c'est souvent par rapport à des variations de temps, c'est par rapport au fait que tout d'un coup, il y a un orage qui se déclenche, par rapport au fait que tu as perdu des brebis parce que tu as ton chien qui s'est barré parce qu'il y avait un éclair. Parce que les chiens ont peur quand même. Trois quarts du temps, les chiens ont peur de l'orage. C'est un orage violent. Donc, c'est toujours lié avec le temps. Et là, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tranquille.
estrelles, mas totes les estrelles no t'aturaràs pas abans que tots els homes te segueixin. Gràcies. Cap. Cap. Gauche. Cap à gauche. La couche. Bien. Droite. Droite. La pousse. Droite. Bien. Cap bien. Bien. Cap bien. Cap bien. Vous pouvez vous glisser. Là, touchez. Cap, cap bien, cap bien. Droite, là, touchez. Touchez. Cap gauche. Gauche, là, touchez. Droite. Droite, droite, gauche, là, garde bien, droite, garde bien droite, là, pousse, droite, garde bien, là, garde, pousse. Dans un spectacle comme Merci, je crois qu'on a réussi, c'est amener de l'émotion et de la magie, amener de la tranquillité. Donc c'est bien sûr qu'on peut pas amener la montagne comme on la voit. Mais on a réussi à montrer aux gens en plus que les chiens, c'était des chiens tranquilles, quoi. Que les chiens respectaient les brebis, que le chien de troupeau, c'était un métier. C'était un chien qui travaillait bien. Que les troupeaux existaient encore, ouais, moi, je crois qu'on a fait passer un message. Hein. Pas jamais complètement, puis on peut pas le faire passer complètement. Il aurait fallu amener la montagne, merci, quoi. Mais je crois qu'on a bien fait passer notre histoire. Hein. C'est un public extra, quoi. Généralement, c'est un public qui réagit bien, c'est un public qui est content quand il voit du beau, c'est un public qui va siffler, c'est vraiment qui fait de la tâche. Voici les brebis qui ont été par ces
Les chiens ont bien travaillé, le troupeau a séduit le public de Paris. Surtout content, vraiment content des chiens. Ouais, bien sûr. Mais je crois qu'il aime bien aussi ça, avec les bêtes, le vrai travail, quoi. Oui. Non, moi j'aime, oui, moi c'est ce que j'aime, c'est bon, c'est le troupeau, voilà, c'est les brebis. Ah, je sais pas si elles le méritent, mais je les aime. Alors, on dit qu'elles sont bêtes parce qu'elles se suivent. Mais non, c'est parce qu'elles savent bien que... Et puis elles savent qu'elles vont toutes au même endroit. Si on les sort sur une route, c'est pour aller dans un pré, dans un champ. Donc elles y vont toutes, pour leur compte personnel, et non pas parce qu'il y en a une qui y va devant. Le truc de panurge, là, on envoie un mouton dans la flotte, les autres ne suivent pas, ils ne sont pas idiots à ce point-là. Maintenant, et même, elles y vont si elles pensent qu'il y a quelque chose de bon derrière. Là, elles suivent. Les chiens, tu peux pas garder un troupeau sans chien, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Hein. Il y en aurait que 50, il faut un chien. Eh oui. Non, les chiens, ça fait pas tellement longtemps que je travaille avec. C'est-à-dire qu'au départ, comme j'avais de très bonnes jambes, c'était moi qui faisais le boulot du chien. Et en prenant de l'âge, les jambes ne suivent plus. Et donc j'ai pris un chien. Et à l'heure actuelle, bon, ce chien a 4 mois. 4 mois, déjà, il fait un travail assez prometteur. Et il me dégage quand même déjà d'une certaine partie du boulot. Et le but, c'est de... devenir pépère peinard derrière ses vaches et puis laisser le chien mener le troupeau. Parce qu'avant tout, je crois que le troupeau, il devient troupeau du chien. Le centre des chiens, c'est un projet qui date de 10 ans. C'est un peu mon bébé, quoi. Je me suis rendu compte en faisant des stages et en faisant des concours qu'il y avait une demande au niveau dressage, enfin, éducation chien de troupeau. Et je me suis dit, tant qu'à faire, au lieu de me balader dans toute la France, ça serait bien que j'ai mon endroit à moi et un endroit fixe. Bon, c'est de là qu'est né Terre des Chiens. Puis après, on l'a agrandi, c'est-à-dire qu'on a agrandi notre clientèle, c'est-à-dire pension, aussi chiens de compagnie qui ont des problèmes. Et après, stage. Sur les stages d'été avec des adolescents. Alors, des stages agility, où on fait de l'agility le matin et troupeau l'après-midi. Des stages verts, l'automne. Donc c'est une éducation en montagne. Et puis, bien sûr, il y a le plus important, les stages troupeaux. Figolu, donc le petit labri là, qui est là, il aide à rameuter le troupeau. Il pousse, il a un travail essentiellement de conduite du troupeau. Et puis la deuxième activité, c'est un chien de compagnie qui accompagne les randonnées. Bon, c'est intéressant parce que comme il est en tête, souvent, il fait fuir les animaux style perdreau qui peuvent surprendre et faire peur aux chevaux, donc il marque le chemin. Et puis c'est aussi un animal qui va respecter les chevaux. Quand on prendra le galop, par exemple, il ne va pas venir les courser, il court à côté, content. Quand il avait 1 an, on a fait un stage chez Vincent Grosfort, stage de 9 semaines. Et il a travaillé sur le troupeau de brebis. Et puis, une fois les ordres bien acquis, on a pu essayer de le mettre au travail sur le troupeau de chevaux. Oui, le seul travail qu'on n'arrivera jamais à effectuer sur un cheval, c'est de l'arrêter au galop. Quoi. Parce que quand il court, on ne l'arrêtera pas. Quoi. C'est lui qui décide de s'arrêter, quoi, même avec les meilleurs chiens. On peut stopper difficilement. Par contre, on peut faire le même travail sur toutes les autres sortes, pour le pousser, pour changer de parc, pour les ramasser, oui. Mais pas les arrêter. Et puis le coup de pied de cheval est bien plus rapide que le coup de pied de bovin. Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'on les a récupérés, mais on les a récupérés au souffle quand même. Hein. En bout de... Hein, il fallait crapahuter toute la journée pour pouvoir les coincer. Hein. Ça, il n'y avait rien à faire. Hein.
Combien de jours de chasse à la génisse? Eh bien, on a fait 5 jours, non? Continue. Hein? 5 jours. 5 jours avec la chienne. Mais nous, on l'avait fait pratiquement un mois déjà. Hein? Dans la cour, les génisses, il vaut mieux un chien que 10 hommes. Hein? Parce que ça court vite et bon, ça s'épuise pas facilement non plus. Hein? Et c'est commode, quoi. C'est très commode. Ça se faufile là où on ne peut pas se faufiler des fois. Et ça va vite, ça agit vite. Et... Ça, c'est du boulot. Hein. C'est le premier chien sur bovin où le type a intégré la gauche, la droite, couché, avance. Parce que souvent, ils sortent de stage, ils répètent leurs mots à eux. Tandis que là, toi, ils suivent une méthode. Quoi. C'est droite, gauche, couché, avance. C'est bien, ça. Elle regarde en faisant comprendre qu'elle me fait plaisir. Quoi. C'est avant tout pour me faire plaisir. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Sur les vaches comme ça, souvent, la chienne est amenée à mordre pour arriver à se faire respecter. Avance. Avance. Avance, fais-la. Avance. Là, elle se laisse approcher. Au dernier moment, hop, elle bondit. Avance, fais-la. 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 Avance, 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 avance. Là, viens, viens. Couché. Elle a du tempérament, cette chienne. Laisse pas faire. Allez, rentre là, nous. Quel que soit le chien, d'abord c'est une histoire avec le chien. Et après tu le mets sur le troupeau. Et après c'est sur le troupeau quoi. Mais t'as pas de bon chien si t'es pas bien avec lui. Quoi. Je crois pas quoi. C'est ce qu'il expliquait d'ailleurs tous les gens avant dans ce métier-là, beaucoup de gens avant quoi, avaient des chiens qui obéissaient quand ils y passaient. C'est une sorte de rapport. Là tu peux pas avoir un bon chien si c'est pas un de tes potes, si tu t'amuses pas avec lui, si un tas de moments il est pas à la maison. Quoi. Ce qui explique aussi qu'on n'a pas de chien en chenil. Nos chiens ne sont pas en chenil. Avance à gauche. Je crois complètement à la notion de spectacle des animaux. Hein. Ça fait de toute façon quelques années que je la défends, j'y crois. Et si tu le Bercy, c'est bien, mais c'est un petit peu frustrant. Tu fais ton spectacle deux fois, tu l'arrêtes. Alors qu'il commence à tourner, qu'il y a d'autres gens qui pourraient le voir, qu'il y a d'autres villes. Ça fait tourner un spectacle. Hein. Tourner sur un mois ou un mois et demi, parce que Zingaro fait avec ses chevaux, quoi, ou d'autres gens. Quoi. Ça, c'est un projet, je ne sais pas s'il se réalise. Hein. Je pense. L'intérêt d'un projet, c'est de le réaliser. Quoi. Tant que je pouvais mettre un pied devant l'autre, ça je pouvais le faire jusqu'à, je sais pas, 60 ans peut-être s'il y arrive. On est gardien d'un mode de vie, on est gardien aussi de l'espace sur lequel on est gardien aussi d'histoire qu'on prolonge, de légendes, de plein de choses. Quoi.